Bonjour, alors je vous présente des boucles d'oreilles que j'ai créées. Ça, c'est un assemblage de pierres naturelles de turquoise, boules de 10 mm, 8 mm et 6 mm. Ici, donc, c'est un pendentif qui mesure 1,5 pouces que j'ai utilisé pour faire des boucles d'oreilles avec de l'acier inoxydable, comme vous pouvez le voir. Et donc, dans cette vidéo, je vous montre un assemblage, mais en inversant la plus grosse boule vers le bas et la plus grosse boule donc de 10 mm vers le bas et la boule de 8 mm vers le haut. Une autre façon qui est l'inverse, en mettant la plus grosse boule vers le haut et la moyenne boule vers le bas. Donc, ça fait des effets différents et qui donnent le choix. Et pour les personnes hyper discrètes, ça c'est une petite pierre de 6 mm en turquoise qui est très jolie. C'est discret, mais la couleur turquoise attire quand même le regard. Et donc je trouve très très beau aussi. J'ai fait toujours dans le but d'être assortie, parce que j'aime beaucoup ce qui est assorti, cette bague, donc avec 4 pierres naturelles de turquoise de taille 6 mm. Et pour faire le tour, ce sont des petites pierres d'hématite qui mesurent 2 mm. Toujours dans le but d'être assortie. Donc, vous avez ce joli bracelet de pierre turquoise en taille de 6 mm disponible sur ma boutique en ligne www.passionjuni.com. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont de vraies pierres naturelles. C'est vraiment très beau. Et moi, quand je les porte, je me sens l'effet turquoise m'amène dans les îles. Je voyage sans payer de billet d'avion. Et enfin, je vous présente donc deux styles de collier pendentif. Comme vous les avez vus, il y a un pendentif qui mesure 2,5 pouces, qui est le plus long, et celui-là, c'est 1,5 pouces. Le même principe donc de collier, fait très simplement, et avec une chaînette extensible qui vous donne la flexibilité de le mettre au ras du cou ou de le mettre un petit peu plus long. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez, dépendamment de comment vous vous sentez, vous pouvez le mettre un petit peu plus serré ou un petit peu plus loose, un petit peu plus long sur votre cou. Donc je vous montre avec les deux colliers ce que ça donne comme résultat. Dépendamment aussi de votre goût pour la longueur du pendentif, il y en a qui vont préférer un pendentif plus long, il y en a qui vont préférer un pendentif plus court. Vous avez le choix.